Allez, approchez-vous, messieurs les Sanin, hein. Ah ouais, on est ici, là. Ok, bah allez-y, allez-y. Le général vous attend, le général est vous attend, non? Ah, ok. Je crois que c'est la première fois que je vais les voir tous ensemble, hein, ces putains de chinois. Allez, d'être joués en reste. Ah, bonjour. Bonsoir, messieurs. Ah, monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Alors, vous êtes combien en tout, messieurs? Monsieur. Ah, bonsoir. Ah, là, on est un peu de chier, là. Vous êtes pas un peu plus que ça, d'habitude, chez vous? Ah, beaucoup plus, beaucoup plus. Mais alors, ils sont où? Mais là, on a une délégation qui peut parler. Okay. On est là pour discuter tranquillement. Simplement, on est là pour instaurer la confiance et toi tu envoies une délégation et tu laisses tes autres hommes planqués ailleurs. Je trouve pas ça très digne de confiance, moi. Ah, c'est uniquement pour assurer ma propre sécurité, les amis. Si je vous voulais une preuve de confiance, je les fais tous venir ici, désarmés, mais j'ai besoin de vous faire confiance aussi. T'es pas prêt à donner ta vie pour l'île? Il faut qu'on se voit plus régulièrement. Si tu prétends devenir gouverneur, t'es pas prêt à prendre un risque? Justement, tous les risques doivent être contrôlés et mesurés. Hein. Je ne suis pas non plus un coureur vers les murs, hein. On m'appelle pas le bœuf. Hein. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait, Ulyanov? On les fait tous venir ou on garde cette délégation là? Moi je verrai bien tous ces hommes hein, pour voir un peu toute la famille. Je connais pas tout le monde, j'ai pas vu tout le monde parler. Et ils peuvent venir avec les armes, y a pas de problème. Hein. Toutes les unités là, y a des Chinois qui vont rentrer, vous laissez les armes, hein. C'est bon. Et dépêchez-vous, messieurs, y a un je vous montrerai aussi que vous faites relativement confiance. Il en manque combien encore là? Ah, ils arrivent, vous voyez, on est venu là. On est venu. On est là, hein. Alors, recoucou tout le monde. Le message est transmis, ils arrivent tous. Ok, on va attendre. Très bien. Approchez nos invités, s'il vous plaît. Allez-y, messieurs. Rejoignez le groupe. c'est total impro. La vache! C'est la vache. Il a même pas de fait, mec. Je sais pas. Abando. Ils sont tous désarmés. Les amis, vous sentez l'air de Pyrgos comme ça fait longtemps. Alors, c'est bonjour, messieurs. Allez, mettez-vous à côté des messieurs les Sanis. Venez avec moi. Ah, ravi de vous revoir. Hein. Par ici. Ça fait longtemps, hein. Très longtemps. Hein. Ouais. Alors, retrouvailles chaleureuses. Ouais. C'est... Dis-moi, Ucho. Hein. Qui est le porte-parole d'Nguyen là? C'est Kessari? Moi, c'est moi. Ok, tu peux t'approcher alors. Ouais, excuse-moi, la pause dans la pause. Ouais, je vois ça. Inception quoi, inception pause. Énorme, donc alors. C'est bon, bah du coup, c'est bon, hein, on les laisse faire leur blabla et puis on va tous leur mettre une balle. Hein. Et on va se barrer. Tous les deux? Ouais. On fait ça non? On tue tout le monde, on fout l'auto. Tous les gens, tous les gradés, même sur la radio, je vais faire messieurs. Tous les rebelles qui sont dans le camp là, je vous les visez, vous. Enfin, tu as un petit. Enfin, ça te va ou pas? Notre. Ouais. Voilà, et on. Et on se barre. On va essayer de tourner ça, mais on va leur dire qu'on va dire. Voilà, tu fais une petite historique sur la famille et tout. Tu dis que pour nous tout ça c'est fini. On restera la famille. Ça risque d'être chaotique donc il va falloir peut-être m'aider. Je sais pas trop. Non, vas-y. Il y a un général qui dirige et c'est tout, c'est comme ça. Il y a la personne d'autre dessus. Et continuera à vous diriger. Je vais dire que t'as. Ouais, et ce sera toi qui feras la baguette. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un souci quand même là-dessus. C'est que pour toi, pour toi et pour les Sonéens, le général, c'est une force militaire. Mais merde, hein, c'est pas qu'une force militaire pour toi, c'est une force. C'est fini, messieurs, les discussions. Bardel, hein. C'est fini. Hein. Ça roule l'art de discuter, bordel. Voilà. On va vous la donner, notre putain de version. Hein. Ouais. Comme vous dites, là, il y a deux califes. Les deux califes, ils viennent de se parler dans le creux de relais depuis 10 minutes, là. On est arrivé à une petite conclusion, là. Bon, ouais. C'est difficile à dire en trois mots, hein. Par quoi je peux commencer? Dites-moi là, Bucho, là, c'est quelle famille qui dirige la gendarmerie là aujourd'hui? Comment elle s'appelle la famille qui dirige la gendarmerie? Les HF.
Ça, ça me fait plaisir, tu vois. On demande, c'est les Aïchef au pouvoir, on est d'accord, hein. On est d'accord. Mais avant d'être gendarme, c'était qui au pouvoir côté rebelle, hein, Ouliano? Au pouvoir des rebelles. Encore c'était une nous. Fois. Encore une fois. C'est-à-dire, partout où on va, on est au pouvoir. Je comprends pas. Oh, faut pas m'oublier, Orlan. Bah, oui, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y avait les Romaniev et les Luciano, mais bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean? Je vais aider les trois, moi, mon colonel, si vous les voulez. Tu vois, Boucho, c'est des hommes sans qui on serait pas là au jour d'aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Et je voulais vous dire. Ah, je n'en doute pas, hein, je connais bien votre. Je vous entends critiquer là, nos manières. Monsieur, il veut mettre un peu de gentillesse, un peu de dialogue entre nous et la population civile. Un peu d'équilibre. Voilà. Donc, sous-entendu, hein, je suis déséquilibré et mon frère est aussi déséquilibré. Hein. C'est ça. Ah, vous l'assumez très bien. Hein. Je l'assume tout à fait. C'est bien gentil de ta part, Boucho. Tu as bien raison, j'assume complètement mon putain de déséquilibre. Mon putain de soif de sang également. Que j'ai toujours assumé, hein, moi. Une famille qui me faisait chier côté rebelle. Hein. Je lui donnais 10 jours et avec mon frère, on s'en occupait et elle partait sur une autre île. Hein. C'était rapide, hein. Efficace. 100% voilà. Réussite, comme il disait. 100% hein. Efficacité, triple action. On récure, nous, jusqu'au fond de la cuvette. Bon, tout ça pour dire que c'est difficile de trancher ce soir. Mais au regard de notre passé, je dirais qu'il n'y a qu'une seule famille qui peut régner sur cette putain d'île. Hein. Donc moi, là, les familles qui viennent d'Asie, là, les bridés, les jaunes, les, quel peu importe, ça ne m'intéresse pas. Ils ont été rebelles, ils ont été contre nous à un moment, ils le seront toujours contre nous. Donc je vais vous demander, messieurs les gradés, s'il vous plaît, très rapidement, ainsi que tous les gendarmes qui m'écoutent sur la radio, de dégainer leur âme, de mettre en joue tous ces rebelles et de vider leur putain de chargeur, s'il vous plaît. Les bordels, on le défonce tous ces bridés, on défonce tout, hein. J'en veux pas un envie. Bordel. Ah, c'était rapide, hein. Voilà, ça c'était cadeau, les amis, hein. Bon, Ulyanov, c'est toi qui fais le petit mot. Ce soir... Ouais, ce soir, c'était un acte d'arrogance pure et dure de notre part, hein, qui est complètement injustifiable pour dégrader de la gendarmerie. C'est pas ce que je vous ai appris, monsieur. C'est un acte rebelle, hein, à vrai dire. Mais en fait, je hein. reste... Exactement, c'est complètement rebelle. Hein. Mais je reste Zaïchev avant tout, vous comprenez? Mon frère et moi, on a toujours été ensemble, toujours très unis, hein, et ça changera pas jusqu'à la fin des temps, bordel. Ah, petit retardataire, Hiro. Ah, les plus concernés, ouais. Peut-être. Vous voulez montrer à ces familles que, bon, faut pas trop nous faire les malins devant nous, là, et ces histoires de prise de pouvoir, ces rumeurs. Exactement. Hein. On vous a écouté, hein, principalement, et c'était impossible d'accepter ces gens-là. Ouais. Ouais, monsieur, on va vous poser nos armes. Ouais. Maintenant, ici. De quoi? Quoi? Pardon. Reprenez ce bordel, là. Vous pas faire les enfantillages. Y a pas d'enfantillage, hein. Il est temps pour vous de voler de vos propres ailes, messieurs. Et que c'est ma moi, je suis fier de vous, messieurs. Oui, bien sûr. C'est un plaisir et un honneur de travailler avec vous tous. Pour la première fois hein, depuis que Ulyanov est gendarme, il va saluer. Ah bon. Autre chose que ses supérieurs. C'est moi qui vous salue tous, messieurs. Et frère, tu vas me faire décrocher une petite larme, alors. Hein. Ouais, ah ouais, ils m'ont fait plaisir, ils m'ont transporté pendant des mois et des mois de travail. Il y a clairement une belle équipe. Merci, là. Monsieur. Je ne connais pas. Eh oui, mais monsieur, quoi, attendez. Bordel, là. Allez, frère. Il n'y a pas de bordel, messieurs. Hein. Vous êtes des bonhommes, hein. Eline, Isaac. Vous êtes des hommes, vous êtes grands. Jean, Salazar. C'est vous qui tenez la gendarmerie. Les gradés actuels, vous avez l'étoffe de héros, messieurs. Hein. Alors bon, pas besoin de nous pour vous guider, hein.
Ouais, donc, un petit truc qui me fait chier quand même. Surmenage. Attends, Ellie, qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Depuis que je suis rentré dans la gendarmerie, je suis avec vous depuis le début. Maintenant que vous vous cassez, j'ai plus de raison d'être ici, moi. Bah, t'exagères. Ça, Ellie, t'as chier. Et Salazar, et Chuck, et tous les hommes, bordel. C'est pareil, Ellie. T'es un meneur d'hommes, Ellie. On était des coéquipiers, mais t'as pas besoin de nous pour t'en sortir et pour avoir la motivation de mener des hommes. Ah non, mais ça, c'est très bien, mais bon. Ça me fait très bizarre. Ouais, hein. Mais on reste des amis, messieurs. C'est un plaisir de servir avec monsieur. Vous, messieurs. C'est un honneur. Et promis, on n'essaiera pas de vous mettre une crêpe au fromage. Allez, j'ai déjà fait l'enfer. Merci, Pavel. Ouais, c'est rien. Merci à vous. Regardez-vous votre nouvelle vie, alors. Mon général, mon colonel, vous restera jamais gravé dans mon cœur. Je tiens à vous le signaler. Messieurs, allez bordel, on arrête maintenant, hein, sinon ça va chier. Hein. Ah, vous me faites vibrer, les amis. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un coucher de soleil, hein. Je serais bien parti, t'as le Lucky Luke là. Ouais, bordel. Messieurs, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, hein. Au revoir, bordel. Allez, tenez bon, les amis. Hein. Vous laissez pas démonter par les critiques, hein. Soyez forts.